Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au mur qui est là. J'ai déjà préparé mon tuyau, mon échafaud et ma machine. Allez, c'est parti. Alors, avant de faire ma projection, je vous explique comment je vais procéder. Donc, après la projection, je vais prendre une règle comme ceci. Ça s'appelle une règle en H. Donc, pourquoi en H? Parce que elle forme H donc, dans le biseau de la règle. Donc, avec ça, je vais faire mon dressage. Donc, fermer tous les trous, que ce soit bien plein. Et puis, pour terminer mon dressage, donc, après mon dressage, je prendrai la règle en biseau pour recouper toutes les bosses éventuelles. Allez, c'est parti. Alors, j'utilise... On est en train de boucher les trous, c'est tout ce qu'on fait pour l'instant. Voilà. Donc, ne vous occupez pas de dresser le mur. La première chose avec la règle de dressage, il faut boucher tous les trous. Il faut que le mur soit uniforme, comme ça. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see.
And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. Ça permet d'aplanir le plâtre. Donc, et de préparer le plâtre au lissage. Donc si on ne passe pas à cette phase, c'est pas possible de le lisser correctement. Donc ce couteau, bon, je te montre, c'est pas le moment de le faire parce que la croix est plutôt mou, mais je te montre parce que, regarde, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, par exemple là, tu vois, c'est pas correct, tu vois. Et le serrage va te permettre d'aplanir, je ne sais pas si on voit, d'aplanir cet effet-là. Voilà. Donc maintenant, il est un petit peu mou, je vais attendre encore un peu, parce que comme je t'ai dit, j'ai 10 minutes de pause. Je te prends tout de suite après. Quand je prends ma crème, je la glisse dessus pour aplanir mon plâtre. Voilà, j'essaie toujours d'en mettre dessus pour l'aplanir au maximum pour ne pas avoir des manques. Maintenant qu'on a fini la phase de serrage, on va prendre la taloche en mousse et faire ressortir l'enduit du plâtre. Donc, quand vous talochez, il faut faire des cercles. Pourquoi des cercles? Ça permet à l'enduit de bien ressortir. Donc, moi j'utilise un tuyau d'arrosage. Maintenant, vous pouvez prendre un seau. Moi, je préfère plutôt l'arrosage, c'est plus facile, surtout avec un mousse pareil. Je mets le jet au minimum. Dessert. Je garantis qu'avec ça, tu n'as pas besoin d'aller à la salle. Donc maintenant qu'on a fini la phase talochage,
on va passer à la phase lissage. Donc il y a deux types d'outils pour ça. Donc il y a la plâtresse et le couteau. Moi j'utilise le couteau. C'est quelque chose d'habitude. On m'a appris comme ça, donc je suis habitué avec ça. Donc, mais tu peux le faire aussi à la plâtresse, il n'y a pas de problème. Je commence à lisser. Donc là, tu as un peu plus de temps. Là, il ne faut pas trop prendre le temps non plus. Donc pour affûter les coins, j'utilise le rabot. Donc dans ce sens-là, et essayez de faire une légère, mais une légère inclinaison pour ne pas retracer, pour ne pas abîmer le plâtre ici. Donc tu viens comme ça. Donc, après avoir lissé ton mur, et pour avoir une finition parfaite, on va venir polir le mur. Qu'est-ce que c'est polir un mur? C'est enlever toutes les impuretés et toutes les petites bavures qui restent sur le mur. Donc, pour ça, tu prends une brosse ou alors ton jet d'eau, tu jettes de l'eau et tu prends ton couteau de plafonneur et tu commences par le dessus en terminant par le bas. Allez, c'est parti! Like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Il fait chaud. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. On clique, on s'abonne, on met un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. À la prochaine vidéo. Bye bye, à plus.